avec Rémy Cotin, donc, qui présentait par le truchement de son fils François-Marie Cotin, victoire des Bordes, jument que tout le monde connaît bien. Alors pourquoi l'avoir présentée au vent dans le cadre d'une wildcard? Eh bien, parce qu'on jugeait qu'elle avait, nous avait donné plein de satisfaction et on ne voulait pas prendre de risque de la faire recourir encore. Donc, moi, je pensais la présenter au vent de novembre, décembre, vente d'élevage, mais M. Houillot m'a dit qu'ils organisaient une vente de poulinières et qu'on pouvait la supplémenter, si on peut dire. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, on est assez contents. Elle a bien vendu à un prix convenable. C'est une très, très bonne famille. Toute la famille. Moi, j'ai pas voulu la garder parce que d'abord, j'avais pas les moyens. Et puis, deuxièmement, c'est surtout qu'on a toute la famille. Alors, voilà. Des petites sœurs encore qui sont à sortir ? Oui. Il y a toutes. Il y en a une notamment qui a 4 ans, qui n'a pas encore couru, parce qu'ils sont assez tardifs. Hein. Ouais, c'est assez tardif. Voilà. Merci Rémy. Bravo, merci.